Salut tout le monde, donc on se retrouve pour une petite vidéo contre-attaque contre un certain MM040774. Une base plutôt pas trop mal, il n'y a besoin que d'un seul C4. Il y a pas mal d'essence à récupérer, un peu de kit de soins et pas mal d'armes. Il y a Mitsudoka qui l'a fait il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai regardé sa vidéo. Alors, on va peut-être que je la boive d'abord. Ce serait mieux. Allez. Ouh, direct. Normalement 10, ça devrait suffire. Encore un petit peu. Ça devrait le faire avec 3. Encore une. Non. Voilà. Ça, déjà, c'est fait. Ça, on va le récupérer, on verra. Alors, donc là, il n'y a rien. Donc, on casse. On casse directement ici. Il y a tellement pas beaucoup de coffres à ouvrir que j'ai même pas fait le tour du tout. Hop, encore deux coups. Voilà, première vague terminée. Normalement, il n'y aura même pas besoin d'activer la troisième vague. Sauf si vraiment j'ouvre ces coffres-là pour voir, parce que sur la vidéo, il n'y a pas beaucoup de personnes qui les ont ouverts. Peut-être qu'il a mis un peu de loot, on ne sait pas. Donc là, il y a ça. Là normalement il y a encore des armes. Hop. Le dernier coffre. Revenez par là, on va vous faire courir un petit peu les gros. En fait, il n'y a que des pics de l'autre côté. Ce côté-là, il n'y a rien du tout. Il n'y a vraiment pas beaucoup de piques en fait. Ouh, s'il m'enferme, ça va pas le faire. Oula, failli déconner. Hein. J'ai fait exprès de prendre des armes qui étaient déjà entamées, comme ça j'aurais pas de regret à les laisser ici. Donc alors, attendez, on va aller au chopper. On se rappelle que j'ai plus beaucoup de batterie. J'espère terminer le raid. Au pire, j'irai le brancher vite fait. Alors, 1, 2, 3, 4,
En fait, je pense que je vais pas pouvoir ouvrir le reste parce que il me reste pas grand chose. Alors ici il y a quoi? Ça là, là. On va s'équiper de ça déjà. Hop. Ici, qu'est-ce qu'il y a de beau? Ah, un petit générateur. J'avais oublié celui-là. Bon, je pense que je vais. Ah merde, j'ai pas mon chargeur avec moi, putain. Dernière fois, entre 5 et 3%, j'ai pu jouer au moins 5-6 minutes. Donc, on va voir. De toute façon, ça se trouve, j'aurai même pas besoin de me suicider. S'il n'y a rien d'autre dans la base, pas prendre de risque de. Donc, là, j'ai tout rempli. Ok, on est bien. Ok, il me reste encore de la place. Donc ça c'est vide. Alors, je crois qu'il reste des armes de mêlée. Alors, ça. On va prendre ça. On va prendre ça. Ici il n'y a rien d'intéressant. Ici il n'y a rien. Et là, les moteurs. Je vais ouvrir ici quand même, voir ce qu'il y a, si c'est vide ou pas. Achète, t'en profiter. Hein. Ouais, non, il y a rien. Je pense que c'est vraiment un leurre. Donc, bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Qu'est-ce que je peux pas laisser? Bon, non, je pense qu'on est bien comme ça. Je fais un petit tour quand même, voir s'il n'y a pas quelque chose de mieux. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Voilà. Donc ça sera tout pour cette petite contre-attaque. Plutôt sympathique pour un C4. Bon, je repars avec 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 armes, 15 armes presque. Un générateur. Ouais, c'est cool. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à plus tard. Ciao tout le monde.